ça va, du calme. Lève-la, Bobby. Douzième. Onzième. Dixième. Oh, oui. Oui, alors. Oh, Bibi. Faut pas courir dans l'escalier, alors. C'est pas bien, Bibi. Oh, oh. J'entends une très énorme qui dégringole. Sixième. Cinquième. Quatrième. Quatrième étage. Ce sont pas de bonne qualité, ces billes. Pas foutu de descendre 13 étages. C'est dangereux, monsieur, de jouer aux billes dans l'escalier, alors. Je joue pas, je suis vendeur. Oui, moi, je suis seul. T'as pas raison de soupirer. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Un événement qui vient remplir notre chambrelette de gaieté. Tu vois, le téléphone. Réponse à votre distraire. Allô? Oui, excuse alors. C'est le propriétaire. Le propriétaire, oui. Qu'est-ce qu'il veut? Il parle d'un loyer. Le loyer, ce, oui, le loyer, c'est l'argent du mois pour la chambre. Oui, c'est ça, il veut qu'on la paye, la chambre. Quoi? On l'a déjà payé le mois dernier. Oh, chaque mois, c'est la même chose. Oh, il est jamais content, c'est affreux. Attends un peu, je vais lui parler dans les trous de nez, moi. Bouge pas, Goblet va te parler dans les trous de nez, alors. Allô, monsieur le propriétaire. Hein? Oui, vous voulez qu'on vous paye votre loyer? Oui, ça va, j'ai compris, mais calmez-vous, hein, s'il vous plaît. Il m'énerve! Quoi? Vous voulez l'argent tout de suite? Mais écoutez. Oh, très bien, vous l'aurez voulu. T'as de l'argent? Oui. Il reste un sou. Un sou, c'est le dernier. Voilà. Le voici, votre argent, et par livraison spéciale. Ah, oh, bah ça, alors, par exemple, qu'est-ce que c'est? Un sou. Un sou. Il est même pas bon. Attendez, mes gaillards, que je vous rende la monnaie. Eh ben voilà, le loyer est payé. Extraordinaire, ça coûte moins cher par téléphone en tout cas. Hein. Et tout ça grâce à ma cocolage. Seul, c'est un grand moment historique. Ah oui, alors, ça c'est vraiment une grand maman très hystérique. Il faut fêter ça. Ah oui, de quelle façon? Ben, on va boire un coup. Allez, vers ce camarade, cette précieuse limonade. Eh ben quoi, il y a un trou? Stop! Fais de croûte! Et le propriétaire, alors qu'il est au bout du fil. Oui, t'as dit d'arroser, j'arrose. Faites qu'il est raccroché. C'est bizarre. Ah ben, ça y est, il est inondé. Oui. Je sais quoi, on va lui téléphoner une serviette. Attends, mais non! Stop! Arrête ça, c'est des excuses qu'il faut. T'as raison. Excuse alors, monsieur le propriétaire. Oui, doucement. Les excuses, on fait ça doucement. Monsieur le propriétaire, je... Voilà la goutte qui fera déborder le gobelet. Il faut excuser Sol. Il dit des sottises. Ça vous apprendra qu'un propriétaire finit toujours par avoir le dernier mot. Ah! Le dernier mot, hein? Donne-moi le poivre. Le poivre. Voilà. Je vous laisse le dernier mot. Allô? Allô? Arrête! Arrête! Qu'est-ce que c'est le dernier mot, Goblet? Arrête! Oh, que c'est drôle, alors! Allez, viens manger un petit morceau de gâteau. J'ai pas faim, alors. Tu boudes? Tant pis pour toi. Oh. Vilain gros téléphone de vilain. Quand je pense que j'en avais un beau petit que je mettais dans la poche, c'est tout gentil. Tu l'as mis à la poubelle? Oui, non, alors. Je l'ai mis là-dedans, il est... Là-dedans. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as, Goblet? Ça va pas? Goblet? Oui! Pauvre Goblet. Oui. Allô? Oh, pauvre lui alors, qui se met à sonner. Il a... Oh, oh, oh,
Quoi faire? Non, calme-toi. Non. Parle plus. Attends d'avoir digestionné le gâteau. De quoi j'ai l'air alors maintenant, avec un ami téléphone. Pauvre petit toi. Quand il pleut, quand il tonne, j'ai peur et je frissonne. Je prends le téléphone, je crie, je m'époumonne. Faut pas que je m'étonne si au lieu d'une mignonne qui rit et se bidonne sur la ligne friponne. J'entends jamais personne, c'est toujours ce que ça donne quand sonne et quand résonne mon ami téléphone. Quand sonne et quand résonne mon ami téléphone. Une bottine. Un bouton. Une mouche. Deux mouches. Un bout de moutarde. Deux moutardes. Une chaussette. Sans l'appel. Fermeture éclair. Du tonnerre. Des bretelles. Un gâtel. Un tuyau. Une pipe. Un boyau. Une tripe. Une fitelle. Une manivelle. Une chandelle. Deux chandelles. Une grosse chandelle. Quatre chandelles. Cinq chandelles. Six chandelles. Six chandelles. Une chandelle. Sept chandelles. 36 chandelles. Oui. Ça y est, j'y suis. Dis donc, ce que c'est tranquille ici. Pas un bruit, personne. Rien pour vous déranger. C'est pas l'espace qui manque. Tiens, une planète. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Oh, dis donc, elle est pas bien grosse, cette planète. De la petite planète. Vous auriez pas vu un ourson passer? Je suis responsable de ma rose. Oui, et ben moi, je suis responsable d'un ourson en plus. Vous l'auriez pas vu passer? L'essentiel est invisible pour les yeux. Ah bon? J'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose.